maintenant mettre une vidéo après les relais de la plaque avec un petit mot quand même. C'est un honneur pour moi d'être désigné parmi les deux désignés pour remettre cette plaque d'honneur à notre ami Maître Jean-Ernest Muscadet pour sa bravoure et son travail, non seulement au niveau du département des Nîmes, notamment à Miragoal, mais surtout être servi de rempart pour le grand sud. C'est un honneur pour nous de vous remettre cette plaque d'honneur conjointement avec Maître. Merci. Bien. Donc, capitaine, vous travaillez. Donc, si vous faites pour moi, après, je vous dis à la fin avec nous. Et il faut me saluer mon Miagouane d'abord, pour force, pour courage, enthousiasme, pour l'amour qui est pour moi. Je me dis, quand je suis avec moi, je continue à battre la rue, je continue à battre la pays, je continue à attaquer les bandits, assassins, criminels, aboulés rouges, jusqu'à ce que je me fasse échec avec eux. Et je suis rentré dans Miagouane avec un peu de difficulté, pour que je ne batte même des machines, pour que je rentre à la paix de ses mains. C'est le maïs, Josias, Jean-Pierre. Actuellement, là, qui là avec moi qui mette des machines avec bon, chercher les policiers dans ce pays hein, pour que je abri de ces membres de jeunes. Et négocier peur, ils disent, ah c'est j'ai un bon mourir en bas. Parce que le président Jovenel Désir, bandit, assassin, criminel, ce soit courir ou bien mourir. Il bon moyen, il me dit moyen, il va me nager comme ça pour attaquer les gens. Et ceci, moi, attaquer les gens à bout de monde, je finis par faire échec avec les gens. Donc, et battre la pharmacie. La bataille qui m'a fait aujourd'hui, autrefois, c'était plus sanglant. Parce que le premier jour, je travaille bien à Wan, dans le deuxième soir, je suis allé dans un petit hôtel, je suis débarqué dans l'espace là, comme je suis pas capable d'entrer. Je suis fait un pile coup de balle dehors. Mais pas peur, pas crainte, je suis informé après, je vous dis à tout le monde qui est absent. Je suis allé dans le deuxième soir. Ok? Donc, la bataille qui a mené, c'est la bataille diaspora, c'est la bataille pays, c'est la bataille communauté. La continue la bataille pays, ça peut, sans crainte. D'ailleurs, papa m'a dit que vous avez un grand monde, si vous n'avez pas où dégager. Et vous avez une lumière, pas qui fait loin. Et les mal d'école, évidemment, que l'homme est la mesure de toutes les choses. Donc, tout le problème, vous avez la caresse du problème. Parce que c'est vous qui posez le problème. Si vous avez qui posez le problème, il faut que l'autre qui va résoudre le problème. Donc, tout le côté où il y a des gangs dans le pays, c'est parce que pas de problème, c'est le gouvernement. Tout le côté où il y a des gangs, c'est pas de directeur de la police, pas de magistrat, pas de délégué départemental. Parce que dans le délégué départemental, le commissaire Muscadet, Anne-Marie Noiseau, directeur de la police, là, deux conseils avec la population, des capables de Jean Poyon, des capables de Charles François, des capables de enfin, un pile de membres de la population campé avec nous, vice-délégué Daniel Poyon, et tant d'autres encore. La bataille n'est plus jour et nuit, 2-3 heures du matin, 4 heures du matin, nous pas dormir, nous avons fait échec à des gens. Donc, tout ce support que nous avons, c'est ce support du président Jovenel Moïse. Qui est le bon moyen pour nous rentrer, pour nous débattre, pour nous coiffer. Après la président Jovenel Moïse, la bataille est vraiment du monde. La bataille est vraiment sanglante, on va faire une dérive dans une phase de bataille. C'est diaspora qui est campé avec nous. On dit qu'en plus des fois, moi, je dis que je vais vous dire ça, je vais vous dire ça, tout ça va faire pour moi. En plus, des fois, après, Marie-Olivier, je dis, ah, je vois Marie, là, et regardez son café pour nous. Donc, c'est déjà ce qu'on a fait avec nous, population, les commerçants, les entrepreneurs. Donc, on a continué la bataille pour le pays, grâce à le support de la diaspora, le support de la communauté et commerçants, les entrepreneurs, dans tous les 10 départements. Nous, pas besoin de nous faire confiance. Bandits, assassins, criminels, débiles, les gens, les mafins, les gens, qui ont été au Caïd, qui ont été Jérémy, la question n'a pas été juste, je suis des blagues, pas occupé des gens. Président Jovenel Désir, CG, attaquez les gens. Pas les ministres qui ont besoin. Pas les personnes qui ont besoin. Les seuls qui ont besoin de pays. Et ceci nous donne une force, un courage pour que je puisse attaquer les gens. Et ceci me finit par faire échec à les gens. Et je continue à faire échec à les gens à bout de rouge.
côté pour quoi j'ai quitté Ouate. Si tu es là, dans la ville au Gaï, qui t'es participé activement, dans tuer une personne dans la ville au Gaï, pour qu'on la ville, qui c'est qui, mon frère monsieur, ça fait que, pas quitter monsieur Ouate, clair avec nous, c'est parce que, et baguette collaboration avec l'actuel monsieur Ouate. Ses frères, ses amis, même par contre, avis, monsieur, il y a des yeux, monsieur, sur ça que tu vas faire là. Par contre, moi arrêter monsieur et m'apprendre à monsieur dans le jour qui a venu. Parce que monsieur qui est contentieux pour que lui réponde. C'est un assassin criminel de droit qui a opéré, qui a participé activement dans l'assassinat du type qui était fait sous plage Jeunet, côté qui était habillé avec ça, tout de blanc. Sur les quatre prisons, il a libéré monsieur, bon, par contre, comment le fait libérer, monsieur participé dans tout crime qui fait au caillou. Donc actuellement là, monsieur Namenon, c'est juste pour me dire bon Dieu, assassin pour me dire, même si Jérémy Mbalmayo, le Tigor Mbalmayo, Jacques Mbalmayo. D'ailleurs, il y a un commissaire Apollo qui a battu avec moi, il y a un commissaire Charles-François, il y a un actuel directeur de la police là, il y a un SDPJ NIP, il y a une MONIP, il y a chaque policier avec moi qui a même là avec moi. Et je continue à attaquer les gens. Je me fais confiance, comptez sur moi, bataille, victoire c'est pour nous. Merci. Haïtien, c'est comme une guerre.
Okay.